Salut les barbus, c'est Turial et aujourd'hui on va parler d'un projet qui est fait par un de mes camarades avec qui j'ai pu jouer un petit peu. C'est un créateur de règles mais aussi un créateur de décors. C'est un peintre qui va très vite et qui aime avoir énormément de choses sur la table. Un peu comme moi du coup, parce que moi j'ai pas forcément encore créé de règles, encore qu'on en reparlera peut-être un jour. L'idée qu'il a, c'est qu'en fait il vient de s'acheter une imprimante 3D et il a commencé à plancher sur plein d'éléments de décor. Et donc du coup, il m'a demandé de lui faire une petite vidéo que je n'ai toujours pas faite, mais à coup de pas. Mais en tout cas, moi je voulais vous proposer son projet. Alors son projet, c'est quoi? C'est de vous proposer pour un prix modique de 25€ plein de ces fichiers 3D qu'il a fait. D'accord. Donc le coût d'impression est ridicule, hein, donc je vous en parle même pas. Il a fait 4 époques, parce que j'avais pas vu Amérique du Nord. Ah si, c'est Amérique du Nord, c'est le même. On a la Chine médiévale, qui peut servir aussi pour comment dirais-je, pour nos amis japonais, hein, ça c'est facile, plutôt ville que village. On a l'Amérique du Nord, donc là on est vraiment dans du truc en bois, ça peut servir pour la guerre du Québec, ça peut servir pour la guerre civile, etc. etc. Là on a 4 maisons, donc pour les Chinois on a 3 maisons modulables. Et là on a 4 maisons, et la dernière époque c'est l'Espagne, pour vous proposer en fait 6 maisons différentes, plutôt pour la guerre civile espagnole ou pour les guerres napoléoniennes. 25€, on a 6, 4, 13 bâtiments. D'accord? Donc réimprimable comme vous voulez, hein, vous faites ce que vous voulez avec. Et voilà ce que ça donne. Donc là, il l'a imprimé pour du 15mm. Et bien sûr, c'est modulable. Donc du coup, on a cette possibilité. Et puis rappelez-vous que quand vous avez un fichier 3D, vous pouvez le modifier. Donc vous pouvez découper, augmenter, faire des trucs. Donc en fait, c'est une base qui va pouvoir vous permettre d'aller faire autre chose que ce que vous a donné le créateur. Vous pouvez aller beaucoup plus loin. Mais déjà, rien qu'avec les maisons qu'il vous donne, regardez, c'est quand même génial. Ça, rien que ça, ça vous permet de faire énormément de choses. Donc c'est quand même pas mal. Donc ça c'est les maisons. Ah, puis on a les murs aussi. On a les murs, il nous file les murs. Bref, on n'a pas besoin de grand chose de plus. Mais si vous avez envie d'aller encore plus loin, vous pouvez. Donc c'est quand même super. Moi je trouve que le projet est super parce que 1, c'est 25€. 2, c'est des trucs que vous pouvez réutiliser à mort. Donc c'est-à-dire que vous imprimez, vous avez une table entière. Hein. Donc ça va très très vite. Et 3, c'est un projet à soutenir. Parce que mine de rien, les gens comme Pierre, c'est des gens qui sont hyper prolifiques. Donc si on les encourage, ils vont continuer. C'est des gens qui vont toujours créer, tant que ça plaît. À un moment où ça plaît pas, il passera à autre chose. Mais aujourd'hui, son truc, c'est de faire des bâtiments. Et c'est des bâtiments qui sont vraiment jolis. Donc franchement, n'hésitez pas les barbus, 25€, c'est peanuts. Et ça vous permettra de vous faire une belle table. Super. Alors là, par exemple, vous voyez, là, on est en 6mm. Donc, il a imprimé ses maisons en 6mm. Pac, et hop, il a des maisons en 6mm. Donc, en plus, on peut changer la taille. Ça peut aller du 28 au 15 en passant par le 6. Donc, c'est vraiment à vous de vous dire, je change les caractéristiques pour pouvoir avoir mes maisons. Vous voyez, il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. Il y a vraiment, de quoi faire. Franchement, les barbus. Hein. Donc, en plus, il propose des stretch goals. Donc, dans ces stretch goals, on a 300€, c'est le projet financé. 500€, il y aura des nouveaux décors pour chaque gamme. À 750, on a une nouvelle gamme de 4 décors différents. À 1000, ce serait une 5ème gamme. Et en 1250, il ne sait pas, mais on verra bien à ce moment-là. Donc, on sait déjà que tout est développé hein, quand on voit les fichiers et les impressions. C'est-à-dire que ce Kickstarter, déjà, il peut que marcher. Voilà. Il est sûr, vous serez sûr d'avoir le minimum de ce qui est montré. Donc, c'est quand même super. En sachant qu'on est déjà à 476€, donc on est presque au palier 500€ qui permettra d'avoir de nouveaux bâtiments. Voilà les barbus pour ce petit projet. Franchement, n'hésitez pas à le soutenir, c'est quelqu'un de super et qui est hyper bosseur. Donc on le voit, il a déjà fait énormément de trucs. Il faut savoir que ça lui a pris 2 mois, je crois, ou 3 mois à faire tout ça. Donc vous pouvez compter sur lui pour envoyer du pâté. Et aussi, il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est avril 2019, donc dans un mois, à peu près, un peu plus d'un mois. Donc franchement, ça vaudrait le coup de s'y mettre, les gars. Bon, voilà, qui nous amène à la fin de la vidéo, les barbus. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous aurez envie de soutenir ce projet que je trouve super.
Quant à moi, ben, je vous dis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager massivement pour faire connaître ce projet, à me poser vos questions, vos commentaires, enfin vos remarques dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la cloche de notification pour recevoir des alertes de nos futures vidéos. Vous pouvez aussi nous soutenir via Tipeee pour nous donner un petit pourboire. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une future vidéo, les barbus, et que le poil soit avec vous.